Alors moi, mon anecdote, ça s'est passé en 2002. Je jouais ici Après la pluie de Sergi Belbel, produit par le Théâtre Nouveau Parking et Jean Doucette. On avait joué à Montréal pendant 6 semaines et ici, ça faisait un bon 3 semaines qu'on jouait et j'avais toujours mal au ventre en rentrant chez moi le soir pendant 1 semaine. Et là, je me disais, ça doit être... On avait une rambarde sur la scène et j'avais à me pencher dessus à tous les soirs. Je faisais ça depuis 7-8 semaines. Je me disais, bon, ça doit être ça qui me fait mal. Le jour où on répétait, on était en création de Lentement la beauté, ici aussi dans le studio. Et Michel Lado me dit, Véro, pourrais-tu aller derrière la porte et faire la voix de la voisine qui jouit? Et je fais, Michel, j'ai trop mal au ventre, je suis pas capable, ça me tente pas. Et là, il me dit, ben, va à l'hôpital. Je dis, ouais, mais j'ai peur de pas sortir de là. Et il me dit, ben, voyons donc. Puis je faisais ça en blague. Finalement, je vais à la clinique et je ne ressors pas de l'hôpital parce que j'avais une appendicite. À 6 heures, on me dit, on t'opère à 8 heures ce soir. Alors là, moi, prends le téléphone, essaye d'appeler tout le monde. Je pleurais à chaudes larmes à l'urgence. Pas de verre de contact, rien, je voyais rien, j'étais bien attachée, je pleurais. Et finalement, c'est Lorraine Côté qui m'a répondu au téléphone. Elle me dit, mais c'est pas grave, on va annuler ce soir. Parce que moi, je disais à tout le monde, je peux pas annuler, il faut qu'on joue ce soir. Finalement, à 8 heures pile, on m'a opérée. Alors, à 8 heures moins 5, je me suis dit un stand-by, comme on dit toujours avant de rentrer en scène. Et malheureusement, ce soir-là et le soir suivant, il n'y a pas eu de représentation ici. Et Caroline Stephenson a été ma salvatrice et a pris le rôle. Et une semaine plus tard, j'étais assise après mon opération dans la salle et j'ai regardé le spectacle. Et c'était très étrange. Ce qui m'amène à dire que voici la preuve. L'appendicite frappe après la pluie. C'est le plus beau titre que j'ai vu dans le journal. Alors voilà.